Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, du Saint-Esprit qui nous sanctifie. Amen. Fiat. Mon ange gardien, accompagne-moi dans le don que je fais de ma propre volonté par Marie à Jésus, en échange de sa volonté pour prier comme il priait pour toutes les créatures de toutes les générations humaines. Amen. Fiat. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce et de ta sainte volonté, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Amen. Fiat. Seigneur Jésus, au nom de tous, je me plonge dans ta divine volonté, et je me saisis des océans d'amour s'y trouvant, afin de les verser sur les anges gardiens et leurs protégés, pour les consoler, réparer les relations entre eux et surtout les aimer. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père d'où il vient juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Fiat. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Fiat. Je te salue, Marie, en l'honneur du Père. Comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, corédemptrice du monde, Mère et Reine du Royaume de la Volonté divine, Immaculée Conception. Prie pour nous pauvres pécheurs de toutes les générations. Répands l'effet de grâce de ta flamme d'amour sur toute l'humanité. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Fiat. Je te salue, Marie, en l'honneur du Fils, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, corédemptrice du monde, Mère et Reine du Royaume de la Volonté Divine, Immaculée Conception, prie pour nous, pauvres pécheurs de toutes les générations. Répands l'effet de grâce de ta flamme d'amour sur toute l'humanité, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Fiat. Je te salue, Marie, en l'honneur de l'Esprit-Saint. Comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, corédemptrice du monde, Mère et Reine du Royaume de la Volonté Divine, Immaculée Conception, prie pour nous pauvres pécheurs de toutes les générations, répands l'effet de grâce de ta flamme d'amour sur toute l'humanité, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Fiat. Eh bien, quand tu priais en même temps que Sarah, c'était moi qui présentais votre prière devant la gloire de Dieu, pour qu'il la garde en mémoire. Et je faisais de même lorsque tu enterrais les morts. Quand tu n'as pas hésité à te lever, à laisser ton repas et à partir enterrer un mort, c'est alors que j'ai été envoyé vers toi pour te mettre à l'épreuve. Mais Dieu m'a aussi envoyé pour te guérir, ainsi que Sarah, ta belle-fille. Moi, je suis Raphaël, l'un des sept anges qui se tiennent devant la gloire du Seigneur. Les deux hommes furent alors bouleversés. Et ils tombèrent face contre terre, saisis de crainte. Mais Raphaël leur dit, « Ne craignez pas, la paix soit avec vous. Bénissez Dieu à jamais, tant que je me suis trouvé avec vous, je n'y étais point par un effet de ma bienveillance, mais par la volonté de Dieu. Bénissez-le donc chaque jour, chantez-lui des hymnes. Vous avez cru me voir manger, mais ce que vous avez vu n'était qu'apparence. » Et maintenant, bénissez le Seigneur sur la terre, célébrez Dieu,
Voici que je remonte auprès de celui qui m'a envoyé. Mettez par écrit tout ce qui vous est arrivé. Alors l'ange remonta au ciel, ils se relevèrent, mais ils ne pouvaient plus le voir. Ils bénirent Dieu, chantèrent pour lui, et le célébrèrent pour la grandeur de ses œuvres. Un ange de Dieu leur était apparu. Tobie, chapitre 12, versets 12 à 22. Le livre du ciel. Une autre fois, j'étais en train de me lamenter auprès de Jésus sur le fait que, après autant de sacrifices à écrire ces heures de la Passion, il y avait si peu d'âmes qui les mettaient en pratique. Et Jésus me dit, « Ne te lamente pas, ô fille, même s'il n'y avait qu'une seule âme qui les mettait en pratique, toi tu devrais toujours être contente. Est-ce que moi, je n'aurais peut-être pas souffert ma douloureuse passion et la mort en croix, même pour le salut d'une seule âme? Tu dois agir ainsi toi aussi. Et il ne faut jamais omettre le bien, parce que peu de gens en feraient usage. Tout le mal revient à celui qui n'en profite pas. Et comme la passion et la mort firent acquérir le mérite à mon infiniment sainte humanité, comme si tous avaient été sauvés, car telle était ma volonté et le but de toute ma souffrance et de ma mort, ainsi, toi, selon que ta volonté sera identifiée avec ma volonté, de vouloir du bien et d'en faire à tous, ainsi tu seras récompensé de ces heures de ma passion que tu as écrites. Tout le mal reviendra à ceux qui ne les mettront pas en pratique, soit sous les prétextes de la nature infirme, soit suite aux suggestions diaboliques. Les 24 heures de la Passion du Christ, le royaume du divin fiat parmi les créatures. La page 38 des Éditions Résiac, octobre 1914. Mon saint ange, ô toi le gardien de mon âme, fais-moi voyager dans les profondeurs de la passion de mon amoureux Jésus sur la croix. Ainsi, ensemble avec notre Mère Céleste, nous pourrions l'accompagner pour réparer, sauver et restaurer les créatures de toutes les générations humaines. Ensemble, prions la divine volonté et remettons cette intention particulière. Ô suprême majesté, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, notre Mère Céleste, donnez-moi la grâce de vivre et de connaître la passion de notre Seigneur Jésus-Christ sur la Sainte Croix, afin que tout ce qui permet la vie divine dans la volonté de la Sainte Trinité s'installe dans mon cœur. Je pourrai ainsi avancer vers le chemin de la divine volonté en prenant possession et en multipliant les actes d'adoration et de réparation et tous les actes que Jésus et Marie ont faits durant leur vie terrestre et diffusés dans le cœur de toutes les créatures de toutes les générations humaines. Ensemble, mon Saint-Ange, avec cette grâce obtenue, nous pourrons, avec notre Mère Céleste, posséder tous les actes de la rédemption. Nous les multiplierons, les diffuserons dans les cœurs de toutes les créatures de toutes les générations humaines, afin que notre très amoureux Jésus puisse recevoir les consolations, les adorations, les « je t'aime » et les réparations que les créatures lui doivent. Amen. Fiat. Bons anges, guidez nos âmes, nos cœurs du brasier ardent d'amour de la Sainte Trinité. Que dans leur volonté soit consumée notre volonté, notre amour, notre vie et notre âme. Bons anges, guidez nos âmes dans le refuge des trois cœurs sacrés de Jésus, de Marie et de Joseph. Bons anges, guidez nos âmes dans le refuge des trois cœurs sacrés de Jésus, de Marie et de Joseph. Bons anges, guidez nos âmes dans le refuge des trois cœurs sacrés de Jésus, de Marie et de Joseph. Bons anges, guidez nos âmes dans le refuge des trois cœurs sacrés de Jésus, de Marie et de Joseph. Bons anges, guidez nos âmes dans le refuge des trois cœurs sacrés de Jésus, de Marie et de Joseph. Bons anges, guidez nos âmes dans le refuge des trois cœurs sacrés de Jésus, de Marie et de Joseph. Bons anges, guidez nos âmes dans le refuge des trois cœurs sacrés de Jésus, de Marie et de Joseph. Bons anges, guidez nos âmes dans le refuge des trois cœurs sacrés de Jésus, de Marie et de Joseph. Bons anges, guidez nos âmes dans le refuge des trois cœurs sacrés de Jésus, de Marie et de Joseph.
Mon ange, guidez nos âmes dans le refuge des trois cœurs sacrés de Jésus, de Marie et de Joseph. Gloire au Père qui nous a créés, au Fils qui nous a sauvés, et au Saint-Esprit qui nous sanctifie, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen, fiat. Mon ange, murmurez à nos cœurs la beauté de l'amour divin. Aidez-nous à revêtir nos âmes des attributs de la rédemption du Christ, afin d'intercéder auprès de la divine majesté, pour toutes les créatures de toutes les générations humaines. Amen. Fiat. Mon Saint-Ange, gardien de mon âme, je te bénis au nom de Jésus. Je remercie le Père de t'avoir créé si bon, si puissant et si disponible pour m'éclairer, me protéger et me défendre. Sois mon aide précieuse pour attirer les âmes dans le royaume de la volonté divine. Amen. Fiat. Je te salue, Marie très pure, conçue sans péché. Je te salue, Marie très pure, conçue sans péché. Je te salue, Marie très pure, conçue sans péché. Auguste Reine des cieux, souveraine maîtresse des anges, toi qui dès le commencement as reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous te le demandons humblement. Envoie tes légions célestes pour que sous tes ordres et par ta puissance, elles poursuivent les démons et combattent partout. Réprime leur audace et les refoule dans l'abîme. Qui est comme Dieu? Ô bonne et tendre mère, tu seras toujours notre amour et notre espérance. Ô divine mère, envoie tes saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous. Gardez-nous, ainsi soit-il. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, du Saint-Esprit qui nous sanctifie. Amen.